J'espère que vous allez tous très très bien. Ça y est, c'est parti. Aujourd'hui, on fait les semis de tomates. Thierry m'a donné le top. La lune est avec nous. On va pouvoir semer nos tomates. Quel bonheur! Alors, on va commencer gentiment avec des tomates que j'ai fait moi-même pousser l'année dernière au potager. Vous allez voir. Et puis ensuite, on va continuer avec des graines qui m'ont été offertes. J'en ai énormément. Je ne suis pas sûre de pouvoir tout semer et tout pouvoir mettre au jardin, mais j'ai vraiment beaucoup beaucoup de variétés de tomates cette année. Alors on y va, c'est parti, vous allez voir, c'est super facile de faire ses semis soi-même. J'ai rempli mon bac de terre à semis, je vais venir l'arroser abondamment, je tasse ma terre et ensuite on va pouvoir mettre nos graines. Alors là, je vais mettre deux sortes de graines de tomates. Donc, je vais séparer. Voilà. On va commencer par les tomates potirons. Alors là, on commence nos semis de tomates avec mes graines que j'ai fait moi-même la saison passée. Je vais être assez généreuse hein, parce que j'ai pas mal de graines. Et puis, comme ça, je pourrais faire des cadeaux, en offrir autour de moi. Alors, vous voyez, je sépare un petit peu mes semis quand même, histoire qu'ils ne soient pas collés les uns aux autres. J'aime autant. Voilà, on fait comme ça. Hop. Là, on est pas mal. Hein. J'ai déjà là une trentaine au moins de graines. Ok. Alors, si on a 30 graines, que ça devient 30 plants. Quand on a 30 plants qui sont plantés, sachant qu'on va récupérer à peu près 3,5 kg. De tomates par pied, surtout que ça c'est de la potiron, c'est très productif. Ah celle-là elle est grosse, elle est grosse. On est parti pour combien? J'en sais rien moi. 30 plants, 3,5 kg, okay. On n'est pas loin de 100 kg. Là vous avez un potentiel de 100 kg de tomates. Si tout prenait. Ouais. Bon, ça n'arrive jamais par chance parce que sinon on serait, sait pas quoi faire. Bon, ah là, il en faut vraiment pas beaucoup. Ouais, là j'en ai beaucoup. Alors là c'est quoi? Précoce de Quimper. Ah, c'est pareil, j'en ai énormément. La petite tomate bretonne par excellence. Ouais. Elle est super productive. Elle est petite, elle est goûteuse. Alors vous avez deux variétés très différentes. La très grosse et la toute petite. La toute petite. Ah, elle est grande, comme ça. L'autre elle est comme ça et l'autre elle est comme ça. Mais par contre. Là, c'est pareil, quoi. Je veux dire, c'est des super petits pieds. Elle est un peu moins productive en matière de volume et de poids, mais... Elle est bien. Mais là, bon, étant donné que Sandrine est en train de faire à peu près 200, 250 pieds de tomates, mais encore oui, mais une fois... j'ai plein de graines. Attends, ben voilà, j'en ai assez, je pense. L'année dernière, Sandrine s'est énervée. On s'est retrouvé avec à peu près 150 pieds de tomates. De précoce de Quimper. Mais bon. Cette année, je vais faire plein de variétés différentes parce que j'ai reçu un joli colis avec plein de graines. Donc, je pense que je vais m'amuser à faire deux petits pieds par-ci. Mais là, on va en offrir, hein. Tu sais bien. Bah, évidemment, comme tous les heureux. Ans. Voilà. Tous les ans, on pense à nos amis, à nos visiteurs, aux gens qui ont un peu besoin de faire ça ou qui n'ont pas le temps. Et puis, des personnes aussi un peu plus âgées parce qu'il faut pas les oublier. Voilà, je pense que là, je suis pas mal quand même. Après, cause de Quimper, allez. On s'arrête là. Au pire, si ça prend pas, hein, pour recommencer. Étape suivante. Alors, étape suivante. Donc là, on vient à peine recouvrir à nouveau de terre à semis. Pas trop, ça je le dis toujours. Il faut que nos graines, qui sont très légères, puissent sortir. Donc on met, voilà, on saupoudre vraiment, voilà, de terre à semis. Hein, vous voyez, là, j'en ai largement assez. Je vais faire pareil de l'autre côté. Hop. Une fois que c'est fait, on va venir retasser un tout petit peu. Voilà, je reprends ma petite planche. Voilà, je tasse légèrement. L'idée, c'est que quand on va arroser après, enfin asperger d'eau, humidifier, il ne faut pas que les graines... voilà, sortent, s'enfoncent trop ou sortent de la terre. C'est pour ça qu'on fait un tout petit geste comme ça. Et maintenant, je vais humidifier. Hein. Vraiment, faut pas. Là, il ne faut pas s'amuser à mettre des gros seaux d'eau. Il faut maintenir la terre toujours légèrement humide. Tout le temps, voilà, pour que nos graines
eh bien, puissent tout simplement germer. Sandrine récupère tous les ans les graines des tomates quand elles sont au plus mûr, les plus beaux fruits, vraiment les plus beaux, les plus goûteux, les plus juteux. Et on essaie toujours de garder ces graines-là. Ces graines-là, elles se conservent d'une année sur l'autre très facilement. Par contre, petite chose, et ça me plaît de vous raconter ça, c'est pas très compliqué de faire son cheptel. La bonne date pour faire ces semis de tomates. La bonne date, elle est depuis des centaines d'années, c'est toujours à la mi-février. Quand vous faites vos semis de tomates au début du mois de janvier, alors bah forcément, vous êtes obligé d'avoir une méthode de chauffage. Mais là, on rentre plus dans de la culture naturelle. On est dans de la culture forcée. Forcément. Après, bah, la provenance des graines. La provenance des graines. Vous, je pense que vous en avez tous à peu près marre comme nous d'avoir des maladies qui partent de l'autre côté du monde et qui sont transportées. Alors, pour la tomate, c'était le cas il y a 2 ans, ouais, avec une grosse épidémie. Bon, la Covid, bah, on n'en parle même plus. Donc, il est temps d'arrêter d'aller chercher des graines qui viennent de magasins qui sont des épiceries et pas des magasins spécialisés. Prenez pas vos graines chez des grainetiers, prenez vos graines chez le maraîcher du coin qui va vous en donner ou qui va se faire plaisir de faire un échange avec vous. Ne tombez pas dans le panneau d'aller chercher des graines. Oui, elles sont peut-être moins chères. Un épicier, c'est quoi? Je parle des grandes surfaces. Un épicier, c'est un gars qui prend en stock, qui met en volume, qui met dans un rayon et qui vous vend avec une marge. C'est un métier très honorable, certes, mais ce n'est pas un métier qui concerne le jardinage. Alors, ils font moi, ce que j'appelle du one shot, c'est la bonne période, on met 3-4 palettes de pommes de terre, machin. C'est pas raisonnable. Allez faire travailler les petits artisans, les petits maraîchers, ne tombez pas dans le piège de ces espèces de grandes surfaces. Oui, je sais, elle sait que je suis extrêmement remonté là-dessus. Nous travaillons, nous, avec un rythme, ouais, qui est un rythme biologique. La biologie que je n'ai pas inventée, ça a commencé il y a 11 500 ans au bord de l'Euphrate avec le blé. C'est dans la Syrie d'aujourd'hui, et ben c'était là-bas que tout a commencé. Quand on est arrivé à la Mésopotamie, 3500 ans avant Jésus-Christ, on a fait nos premières civilisations. Donc à partir de ce moment-là, on est passé dans le créneau de l'alimentation de masse parce qu'il fallait entretenir les villages. on a des spectateurs en douce. Voilà. Ça y est, j'ai fini tous mes semis de tomates pour cette saison 2023. Vous l'avez vu en début de vidéo, j'ai reçu vraiment énormément, énormément de graines. Alors, je n'ai pas tout semé. Avec Thierry, on a fait un choix. On a privilégié les tomates de variété ancienne, les françaises de préférence. Pour autant, comme nous sommes très curieux, on a quand même pris le parti de prendre quelques tomates qui nous viennent d'autres pays. Alors, je vais vous dire un peu ce que j'ai semé. J'ai 24 variétés de tomates différentes. Pour moi, c'est déjà énorme. On est très tôt dans la saison, donc les semis de tomates, tout comme les futurs semis de fruits d'été type aubergines, poivrons et concombres, je les mets dans une maison. Donc, nos semis ici vont se plaire et se développer au chaud et à la lumière. Alors, je vous dis ce que j'ai semé. J'ai semé de la Pira d'Abruzzo. C'est une tomate rouge ancienne qui nous vient d'Italie. De la Thorburns Terracotta. Alors, je lis tout hein, parce que je ne connais pas ces tomates. Hein, c'est vraiment une découverte. C'est une tomate orange qui nous vient des USA, qui apparemment est une tomate assez rare et assez ancienne. De la Glacier. C'est une tomate cocktail ancienne qui vient de Suède. De la Pirette, une tomate française très ancienne, de la Grandma Josie Amish White, une tomate jaune qui est issue d'un vieil héritage et qui nous vient des USA et qui fait des très gros fruits. Elle remplacera ma tomate ananas. De la Sainte-Lucie, une tomate variété française très ancienne avec aussi des gros fruits qui peuvent aller jusqu'à 500 grammes. De la Plate de Château-Renard, une variété aussi très ancienne française. De la Bordeaux Vie, une variété pourpre, apparemment très rare et très peu connue en Occident, qui nous vient de Russie.
une Grigori Altaï, tomate rose qui vient de Sibérie, une Talbot Russian, une tomate rose qui nous vient d'Australie, qui là apparemment est une tomate très rare et qui est en voie de disparition, ça c'est très intéressant. Grosse tomate hein, qui va jusqu'à 600 grammes. De la Pépé José, celle-là on l'a adorée, on a adoré le nom. Alors c'est une tomate française, donc son vrai nom apparemment personne ne le connaît et donc elle s'appelle comme le dernier jardinier qui l'a semée et puis qui l'a transmise, c'est-à-dire Pépé José. Donc merci à toi Pépé José. Donc une tomate aussi qui fait jusqu'à 600 grammes. Ensuite j'ai mis de la Rosa de Barbastro, c'est une tomate rose qui vient d'Espagne. Apparemment, celle-ci est considérée comme la meilleure ou l'une des meilleures tomates au monde. Alors, il me tarde vraiment de la goûter. On a mis de la Tobolsk, une tomate jaune-orangée qui vient de Russie. De la Hunt Gertiz, une tomate orange qui vient des USA, qui, elle, peut atteindre jusqu'à 900 grammes. C'est énorme. Je suis tellement pressée de voir ces tomates dans mon potager. De la Blackberry, je la connais, mais je n'avais pas de graines. J'adore cette tomate, c'est une tomate noire qui vient aussi des USA. Une White Queen, une tomate blanche qui nous vient des USA, qui est une ancienne variété. Et de la Sandul Moldovan, qui est une tomate rose qui vient, elle, de Moldavie. Voilà pour les tomates. Et maintenant, j'ai aussi mis des tomates cerises. Là, j'ai mis de la Groseille Blanche, de la Sunbell, de la Bianca et de la Auer, je ne sais pas trop comment on dit. Voilà les amis, les tomates que j'ai plantées cette année. Je suis très pressée de voir le résultat. On va voir comment elles s'adaptent. J'imagine que les tomates qui viennent des pays froids type Russie vont assez bien se développer en Bretagne. Quoique, si on a une saison avec canicule et sécheresse, je ne sais pas. En tout cas, vivement, vivement que ça pousse. Alors maintenant, on va attendre. Et on va gentiment laisser nos petits semis se développer. Alors, vous voyez aussi, c'est très important de toujours noter ce que vous avez fait. Vous avez vu, moi, j'ai mis ici beaucoup de graines. Donc, j'ai mis des numéros par graine que j'ai reporté sur ma feuille pour savoir exactement ce que j'ai planté. Autre chose très importante, pensez bien à remplir vos bouteilles d'eau et votre aspergeur assez à l'avance pour avoir de l'eau à température ambiante et ne pas arroser vos semis et vos plantations après avec une eau glacée parce que ça pourrait créer un choc thermique qui pourrait être totalement nuisible à vos semis de tomates. Et ben voilà, c'est fini pour aujourd'hui pour les semis de tomates. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très 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 bientôt sur Popoté Potager. Ciao.